Yes, please. Okay. Grah, just let us know, and we wanna kick off, so. So 2 seconds. Okay. For everyone that's just arrived, Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, bonjour. Merci d'être ici parmi nous aujourd'hui. Nous sommes juste en train de régler quelques questions d'enregistrement. Donc, juste quelques instants de patience, s'il vous plaît. Nous allons commencer dans quelques instants. Très bien. Je suis maintenant en train d'enregistrer, donc est-ce que nous sommes prêts maintenant pour commencer? Je suis désolée pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous avions du réseautage pour commencer notre événement. Nous avons prévu 15 minutes de réseautage avant le lancement de notre session plénière, mais je vais maintenant inviter les participants de nous rejoindre à nouveau dans la salle plénière. Je suis juste en train de chercher mes intervenants, mais je vais inviter tous nos participants de nous rejoindre ici dans la salle plénière. Juste un instant. Voilà, Hani. Hani, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, allumer votre caméra? Thank you. There you are. Merci, très bien. Je vous vois. Voilà, je vous passe la parole. Merci, Julie. Bonjour, bonsoir. Bienvenue à la réunion annuelle 2021 pour la protection de l'enfance dans l'action humanitaire. Je m'appelle Audrey Bouillet, co-coordinatrice de l'Alliance. Et je m'appelle Hani Mansourian, co-coordinateur de l'Alliance. Nous sommes très heureux d'ouvrir cette assemblée annuelle 2021 avec vous tous. Alors que nous préparions l'événement, nous avons remarqué des données étonnantes. Un nouveau record de 94 résumés a été soumis cette année, dont plus de 50% seront présentés tout au long de la semaine. Nous tenons à remercier les 26 experts qui nous ont aidés dans le processus de sélection des résumés pour leur engagement. Cette année, nous aurons des sessions supplémentaires, notamment les mardis et mercredis matin, heure européenne, pour permettre aux collègues des différents fuseaux horaires de profiter des présentations autour de la prévention. Nous avons également enregistré une augmentation du nombre d'inscriptions par rapport à l'année précédente, avec plus de 1 600 personnes et ont manifesté leur intérêt à participer à l'événement. C'est l'un des aspects positifs des événements en ligne, car cela permet une plus large participation des collègues du monde entier à son déplacement. Mais les réunions virtuelles ont aussi un inconvénient. Il est plus difficile de rencontrer les gens et d'apprendre à connaître leur travail en dehors de l'ordre du jour de la réunion. Nous avons essayé donc de compenser cela avec la mise en place du salon de café virtuel qui peut être accédé via la page principale. Veuillez explorer ce lieu virtuel et rencontrer d'anciens, de nouveaux collègues. Nous avons essayé également de proposer un menu à la carte, donc notamment avec le nombre de présentations thématiques. Merci donc de jeter un œil à l'agenda et d'en choisir les sessions qui vous intéressent. Nous aurons également quelques sessions importantes, telles que le 5e anniversaire de l'Alliance, suivi d'événements sociaux mardi. Il y aurait l'introduction également de l'un des travaux les plus importants que nous avons récemment conclu, la stratégie de l'Alliance 2021-2025. Il s'agit d'un processus d'un an qui a commencé lors de notre assemblée annuelle 2020. Beaucoup d'entre vous se souviennent peut-être de la consultation de l'année dernière. Cette stratégie est maintenant prête. Le mardi 6 octobre, nous en apprendrons davantage sur le plan stratégique, son but global et ses objectifs. Donc, vous allez recevoir une copie de ce document dans vos mails.
C'est passionnant. Et puis, pour terminer une semaine très fructueuse, nous aurons le plaisir d'entendre nos chefs de groupe de travail qui ont préparé des présentations animées et informatives. Voilà, alors soyez là jeudi également. Et finalement, alors que le monde est de plus en plus confronté à des défis liés aux crises climatiques, nous avons décidé de commencer à réfléchir à notre travail concernant le rôle du secteur de la protection de l'enfance dans la lutte contre le changement climatique et son impact sur les enfants. Nous aurons donc toute la journée de vendredi 8 dédiée à cette discussion, avec des intervenants inspirants, des jeunes militants très engagés et quelques bels exemples de travail déjà faits dans plusieurs contextes. Donc, juste pour vous donner un peu d'informations sur le focus de notre réunion, donc la prévention, hein, pour dire quelques mots qui viennent de Joseph Malins, de 1895, l'ambulance dans la vallée. Sauver ceux qui ont tombé, c'est bien, mais c'est mieux d'empêcher les autres de tomber. Mieux vaut mettre une barrière solide autour du sommet de la falaise qu'une ambulance dans la vallée. Voilà, donc la prévention était une priorité secondaire dans notre plan stratégique 2018-2020. Elle est également apparue comme un domaine prioritaire dans nos consultations pour notre stratégie 2021-2025. L'Alliance travaille sur ce sujet depuis quelques années maintenant. Et nous sommes fiers de dire que notre travail technique ainsi que notre plaidoyer commencent à porter leurs fruits. On assiste à une inclusion plus systématique de la prévention dans la programmation sur le terrain ainsi que dans les stratégies organisationnelles. Cette réunion annuelle de cette année est notre occasion de discuter de ce sujet important avec vous tous, notre communauté, et de prendre des engagements envers nous-mêmes et envers les enfants que nous servons, que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter que le mal ne se produise en premier lieu. Alors que nous continuons à renforcer notre réponse aux conséquences des abus, de la négligence, de l'exploitation et de la violence à l'encontre des enfants, nous nous efforcerons de nous attaquer aux causes profondes des préjudices, d'empêcher la séparation inutile des enfants et de la famille, le recrutement de les forces et groupes armés pour le travail des enfants, le mariage précoce, la violence sexiste et sexuelle et bien d'autres conséquences négatives. Une semaine riche donc d'apprentissage, mais aussi de surprises et d'émotions. Nous espérons que vous serez avec nous. Engagez-vous donc avec les présentateurs tout en restant loin de vos emails, s'il vous plaît. Maintenant, nous allons passer la parole à notre première orateur de la semaine, la directrice générale de l'UNICEF, Mme Henrietta Fore, pour une déclaration d'ouverture inspirante. À l'occasion de ce cinquième anniversaire, je souhaite remercier l'Alliance et pour la protection de l'enfance dans l'action humanitaire pour son leadership très important. Je suis très heureuse d'ouvrir cette 22e cérémonie annuelle de 2021 à l'UNICEF. Nous pensons que tous les enfants doivent être en mesure de grandir sans violence, sans souffrir d'exploitation, d'abus, de négligence. Et c'est pourquoi la protection de l'enfance est vraiment la pierre angulaire de notre travail, et nous travaillons avec plus de 150 pays, avec des États, des organisations de la société civile, visant à justement prévenir la violence contre les enfants. Et nous soutenons les survivants, y compris grâce à un soutien psychosocial et sur la santé mentale. Nous travaillons également avec les communautés, pour mettre fin aux pratiques dangereuses, comme par exemple le mariage précoce et l'excision. Et nous devons travailler dès la naissance jusqu'à l'adolescence dans le développement d'un système humanitaire. Et avec l'UNICEF, nous avons finalisé une stratégie de protection de l'enfant nous allons promouvoir au cours des 10 prochaines années. Et cela montre à quel point nous avons avancé au cours des dernières années dans la protection de l'enfance, avec davantage d'enregistrements de naissance, moins de mariages précoces, moins de travail des enfants et moins d'excision. Et au moment où nous célébrons ces résultats, nous avons néanmoins l'esprit clair sur les défis que nous devons relever. La pandémie du Covid-19 va mettre en danger les progrès que nous avons faits
Et les preuves que nous avons utilisées pour développer cette stratégie montrent que de nombreux enfants, trop d'enfants, manquent justement de la protection qu'ils méritent et qu'ils doivent avoir. Nous voyons déjà une augmentation significative du travail des enfants, des mariages précoces et de l'excision. Nous ne devons pas accepter cet état de fait. Cette stratégie offre une vision et un cadre stratégique pour justement répondre à ces défis. Et cela englobe toutes les différentes dimensions de la société, pas simplement les États. Nous devons travailler ensemble, investir ensemble pour protéger les enfants. Et cela, bien sûr, cela inclut des systèmes de santé préventifs et également la prévention de la violence, des détections des cas et une aide aux services de santé mentale. Et cela doit autoriser un accès généralisé au système éducation, en particulier au moment où les écoles rouvrent après cette pandémie du Covid-19. Et cela nous engage à mettre la protection des enfants au centre de ce que nous faisons au moment où les pays essaient de combattre la pauvreté dans leurs frontières et se remettent de cette pandémie. Nous devons vraiment travailler d'arrache-pied pour vraiment changer la communauté dans les familles, les communautés et les foyers. Et nous devons vraiment... Nous savons que la réalité, que la violence est liée aux normes sociales et en particulier dans les comportements contre les filles. Et nous ne pouvons pas accepter un monde où la violence est une réalité pour des millions d'enfants et qui les empêche d'avoir ces opportunités de croître, de grandir et protéger les enfants de tous les risques n'est pas simplement un devoir, mais c'est vraiment le seul chemin pour vraiment avoir un futur meilleur et plus sain pour nos enfants et le monde. Et je suis vraiment heureuse de voir que cette prévention est désormais la pierre angulaire de cette nouvelle stratégie. Et c'est la raison pour laquelle je demande à tout le secteur de protection de l'enfance et tous les autres secteurs de se rejoindre et de vraiment de faire la promotion de cette prévention durable contre les violences faites aux enfants. Bien, merci beaucoup. Merci à Madame Forêt d'avoir pris le temps de faire cette vidéo et de partager avec nous certains des éléments très importants et très inspirants. Et je vais maintenant passer la parole à Hani pour qu'elle nous lance le panel principal. Merci beaucoup. Et maintenant, je souhaite inviter nos panélistes. Et je pense que vous qui sont tous ici, nous avons Farida. Nous avons le docteur Mikhail Rutkowski, nous avons Santi Stella et Ken. Et je pense que Ken est là avec, j'espère, et je pense que tout le monde est là sur la scène et nous allons par conséquent pouvoir commencer. Et comme nos collègues apparaissent maintenant sur votre écran, je vais maintenant demander à chacun d'entre eux de se présenter et je vais maintenant commencer avec Farida, qui est une activiste de 23 ans, qui est basée à Suède. Elle est une réfugiée de la DRC, la République démocratique du Congo, et elle a vécu 5 ans dans le camp de Kiaka, et elle est devenue mère à 15 ans et veuve à 17 ans, et tout cela lui a donné le courage et la passion d'amener un changement dans la vie des enfants et des femmes dans le monde. Farida, est-ce que vous pourriez nous dire davantage sur votre vie, votre travail et une pensée que vous pourriez avoir sur le sujet de cette mission qui est de la prévention des risques et des violences contre les enfants? Vous avez la parole, Farida. Bonjour à tous et bon après-midi, bonne soirée, où que vous soyez. Je vais, la présentation va le dire, je viens de la République démocratique du Congo. Je viens du camp de Kipanta et pas de Kianka, comme il a été dit. Et comme je l'ai déjà dit, j'étais réfugié de mon propre pays. Et comme vous l'avez dit dans la présentation, j'ai perdu ma mère et
et j'ai été marié enfant et j'ai quitté ma maison, mon domicile et mes amis et je suis allé vivre avec mon oncle et c'est là que j'ai subi des abus sexuels et j'ai été obligé de me marier et j'ai eu mon enfant, mon fils à 15 ans. Et j'étais vraiment très, très effrayé de tout ce qu'il y avait. Je n'arrivais pas à dormir en tant qu'enfant, à cause du conflit, entre autres. Et je voulais que ma mère revienne, afin que nous puissions être ensemble, et que je puisse aller à l'école. Et encore une fois, le conflit m'a atteint, car j'ai perdu le père de mon fils, puisque le père de mon fils est mort à 17 heures. Et j'ai commencé à travailler avec un groupe de vision, le groupe Vision. Et donc, en tant que réfugié, j'avais le désir de vraiment de protéger les enfants des violences et de les faire en sorte qu'ils puissent mener à bien leurs rêves malgré leurs expériences de vie. Et ces gens qui ont vécu tout cela ont un grand rôle à jouer justement pour mettre fin à la violence contre les enfants. Donc avec ce groupe de vision, nous avons travaillé sur la protection des enfants, nous avons travaillé avec des jeunes de la communauté pour justement protéger cette communauté. Nous avons appris des compétences, nous avons eu des formations pour qu'ils prennent soin d'eux-mêmes et nous avons utilisé notre propre expérience pour leur donner de l'espoir et donner de l'espoir à la communauté. Et aujourd'hui, c'est un espoir que nous avons, que nous souhaitons amener à notre communauté, de vraiment de combler le fossé entre les différentes communautés locales au niveau mondial. Bien, merci beaucoup. Et nous avons l'intervenant suivant. Nous avons le docteur Michal Rudowski qui travaille à la Banque mondiale internationale et en particulier qui vise justement à protéger les capacités de trouver un emploi dans le monde et faire en sorte qu'il y ait une assurance générale pour la sociale. Et désolé d'écorcher votre nom, j'aimerais que vous nous disiez davantage sur vous-même, votre travail et partager une pensée en lien avec la conférence d'aujourd'hui. Merci beaucoup Annie et merci à tous d'avoir pensé à la Banque mondiale et d'avoir pensé à moi et bien sûr du secteur de la protection sociale dans l'Alliance internationale pour la protection des enfants. C'est vraiment un honneur et un privilège d'être invité aujourd'hui avec vous et nous faisons beaucoup de travail au niveau de la protection sociale et en particulier sur l'assistance sociale et beaucoup de travail sur la prévention et en particulier dans le projet de capital humain qui se concentre principalement sur l'investissement dans les premières années et vraiment de la résilience des enfants qui vont être utiles tout au long de leur vie. La protection sociale de manière générale est un système englobant qui a augmenté, dont l'importance a encore augmenté dans une pandémie qui vise vraiment à s'attaquer aux causes principales des violences faites aux enfants et en particulier dans les états fragiles et dans les zones délicates. Et nous nous basons sur nos propres recherches et nos recherches de nombreuses personnes qui sont ici avec nous. Que les enfants sont deux fois plus susceptibles de subir la pauvreté que les adultes, et que ce soit dans une période de croissance ou de développement. Et je vois ce lien entre la protection des enfants, en particulier par la prévention, et également par la société à l'assistance sociale, et bien sûr la protection de la pauvreté, et l'accès aux services, et en particulier lié à l'éducation et la nutrition, et troisièmement, dans le soutien des enfants avec leurs parents
et des personnes qui prennent soin d'eux. Et donc, nous avons des enfants qui vivent dans un contexte difficile et humanitaire, et nous avons davantage de ressources pour l'assistance sociale qui doivent être allouées aux enfants. Et de ce contexte, je voudrais vous dire qui, pour moi, est important, c'est de vraiment d'accueillir le rapprochement croissant entre le droit humanitaire et les entités qui fournissent une assistance sociale. Et historiquement, les deux aspects, les deux dimensions de l'action étaient très différentes. Et l'action humanitaire était basée sur l'urgence et une intervention rapide, alors que la protection sociale était davantage basée sur la compétence et vraiment sur le long terme. Et nous avons eu différents chocs, et comme nous l'avons vu avec cette pandémie, et nous voyons que cette point de vue n'est désormais plus adéquate. Et nous avons eu justement une réunion à Istanbul en 2016, et nous avons vu que la coordination, en tout cas cette coordination est extrêmement importante. Premièrement, c'est d'utiliser cela comme levier de renforcer les différents services, pardon, et d'utiliser en particulier les actions précoces. Et nous avons également des systèmes de protection sociale et des plateformes de paiement qui ont vu une croissance très importante au cours des dernières années, avec justement un système d'enregistrement au niveau de la protection sociale et des plateformes de paiement. Cela nous permet justement de développer des nouveaux programmes d'assistance sociale, et en particulier dans les secteurs formels et secteurs urbains, qui vont vraiment un impact sur les familles et les enfants. Deuxièmement, c'est d'assurer une couverture adéquate et également d'éviter la duplication des efforts. Et vraiment, il s'agit également de maximiser l'efficacité, mais comme nous voyons, il est important en tout cas de présenter le travail et l'importance de l'assistance sociale à votre action et à votre alliance. Merci beaucoup, Mikael, et nous avons notre prochain intervenant que je souhaite vous présenter, c'est le docteur Santi Kusumaningrum. Désolé, malheureusement, si j'écorche encore une fois votre nom. Santi est la directrice de l'organisation Puskapa, est un think tank basé en Indonésie pour la protection des enfants. Elle est également professeure assistante pour la population et la santé, le planning familial à l'université Mailman, à l'université de Columbia justement. Elle a également travaillé dans la criminologie, et je souhaite que vous nous disiez davantage sur vous-même, sur qui vous êtes, et également une pensée en particulier sur la prévention des violences contre les enfants. Merci Annie, et bonjour à tous. Eh bien, que vous dire davantage sur ce que je fais? Eh bien, je suis en charge d'un think tank qui s'appelle Puskapa, et nous avons 40, enfin plus de 40 personnes maintenant, et avec toutes les personnes de mon équipe, nous faisons 5 choses. Principalement, nous faisons de la recherche, élaborons des propositions de politique sur nous faisons en sorte que les décideurs les adoptent. Nous aidons à la mise en pratique de ces propositions avec deux approches principales. Premièrement, c'est d'assurer une assistance technique, et également de les aider à faire des mises en place de programmes et de proposer certaines solutions, et de faire en sorte que cela soit bien mis en pratique. Et ensuite, nous créons des alliances avec d'autres organisations qui proposent des services sur le terrain, parce que malheureusement, nous ne pouvons pas tout faire. Et nous travaillons avec différentes ONG, néanmoins. Et nous avons des alliances avec des ONG qui fournissent des systèmes de limitation des conséquences. Et nous travaillons cas par cas, parce que nous voyons certains problèmes comme cela que peut vous force à vous impliquer davantage. Et nous travaillons avec différentes personnes qui vont faire des campagnes, avec des gens qui mobilisent et qui génèrent de la pression publique envers les États. Et c'est donc un ordre du jour que nous avons, un programme que nous avons, c'est vraiment de réformer le système de santé et de soins en Indonésie, parce que je vais continuer à dire, je suis d'accord avec ce qu'a dit Mikael, et il est important d'avoir tout le monde, d'inscrire tout le monde et d'avoir que tout le monde ait des documents.
et de faire en sorte que personne ne soit absent des statistiques. Et nous avons un travail de statistiques à l'Indonésie, bien sûr, un accès à la justice. Mon point de vue sur la prévention, Hani, eh bien, je pense que c'est important de remercier en tout cas toutes les personnes qui ont rédigé le document de positionnement qui a été publié. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit dans ce document, y compris le travail de la prévention qui doit être réalisé à deux niveaux, et de la prévention, et bien sûr éviter les conséquences néfastes de ce qui se passe. Mais je souhaite vraiment apporter quelque chose qui m'a un petit peu dérangé depuis en particulier le début de la pandémie, et c'est ce qui reste et ce qui manque un petit peu de la conversation que nous avons dans la prévention. La question de savoir si la question est locale et partagée avec le monde entier, par exemple la violence contre les enfants, c'est pas simplement l'apanage d'un seul pays. Et deuxièmement, nous avons le point vue global avec par exemple quelque chose qui touche toutes les régions du monde en même temps, et par exemple une pandémie. Et donc nous avons cet échelon, ces échelons, en particulier l'apocalypse climatique qui nous attend. Que pouvons-nous faire au niveau humanitaire, et comment nous pouvons avoir cette prévention primaire justement pour s'attaquer aux questions d'adversité, d'exclusion et d'accès à la justice? Merci beaucoup, c'est très profond, des questions très importantes. Et je pense que malheureusement, personne ne sera en mesure de dire qu'il détient les réponses à ces questions. Et en tout cas, ces discussions très mélangées, vont nous permettre justement d'avoir des réponses à ces questions. En tout cas, nous espérons parler de ces questions. Et ça nécessite en tout cas des conversations très riches et très longues. Merci beaucoup, Santi. Et en particulier parce que je sais que vous nous avez rejoints très tard en soirée. Et l'intervenant suivant, c'est Stella Ayo Odongo, qui est expert en politique de protection des enfants. Elle rejoint le partenariat international de la fin des violences contre les enfants. Et elle a également travaillé avec... Elle était directrice du partenariat africain pour mettre fin aux violences contre les enfants. Stella, j'aimerais que vous nous en disiez davantage sur votre travail, que vous nous partagiez également quelques pensées sur la conversation. Bonjour à tous, je suis vraiment très heureuse d'être ici aujourd'hui, en particulier de pouvoir me concentrer davantage sur un point qui devient de plus en plus important, qui est la prévention. Et comme Honey l'a dit, je travaille avec le partenariat international pour mettre fin à la violence contre les enfants. C'est une plateforme multisectorielle qui vise à réunir les différentes parties prenantes pour construire un mouvement qui vise à prévenir et à contrer les violences contre les enfants. Et la prévention, c'est vraiment central sur le travail que nous faisons. Et j'aimerais dire que pour moi, le mouvement j'ai travaillé depuis que j'ai 13 ans, et mon rôle dans cette création du mouvement a été vraiment façonné par mon expérience du monde. Et j'ai connu l'exil au Congo, et c'est dû en particulier parce que les événements qui se passaient au nord du pays. Et ensuite, je suis devenu une chercheuse, et j'ai été confronté à la question de la prévention et des résultats du conflit. Et de pourquoi les enfants justement quittent l'école justement à cause des problèmes de sanitaires et des problèmes d'accès aux services. Et ensuite, en tant que praticienne, nous avons aidé en faisant des distributions dans les camps et en distribuant des colis, par exemple. Et donc, cette expérience que j'ai eue m'a justement permis de construire mon action. Et pour ce qui en est de la prévention, le fait que nous essayons, nous avons cela vraiment en ligne de mire, et il s'agit vraiment de comment cette ambulance qui est dans le bas de la vallée, comme cela a été mentionné, ne vont pas construire des ponts, justement, et pas simplement se concentrer sur cette ambulance qui descend la vallée, comme il a été dit dans le poème. Et
Et j'aimerais vraiment que nous comprenions bien que nous devons débattre et nous aimerions que nous trouver des réponses d'ici à la fin de la semaine. Mais de manière générale, la prévention, c'est quelque chose de central parce que c'est beaucoup mieux d'éviter que ça se produise que plutôt d'attendre que le feu se soit déclaré, par exemple. Et donc, c'est vraiment... Je sais que la situation du droit humanitaire, de l'intervention humanitaire est très complexe parce que nous, les praticiens, nous nous concentrons sur le maintenant et nous oublions que quelquefois, il est important de plutôt d'éviter que ça se produise. Et donc, quelquefois, comme nous sommes dans la forêt, il est nécessaire de se sortir un peu de la forêt, justement, pour mieux avoir une vue, une meilleure vue d'ensemble. Je suis vraiment très heureuse de partager tout cela avec vous aujourd'hui. Merci, Stella. Je suis vraiment ravie que vous avez vraiment parlé de cette analogie de forêt, parce que nous, dans le secteur humanitaire, nous sommes des fois un peu figés dans cette situation de réponse aux besoins urgents. Donc, les enfants qui sont déjà séparés de la famille, qui sont déjà recrutés, par exemple, il est difficile de vraiment essayer de voir de plus loin une perspective un peu plus distanciée, hein, et dire que la prévention est si importante. Maintenant, nous avons Ken Ondoro qui est travaille avec l'Alliance de la résilience pour les enfants et travaille sur les liens entre les systèmes formaux et informaux. Et il croit qu'avec l'automatisation et les liens communautaires, les gens peuvent vraiment pouvoir avoir une voix et changer la situation. Il travaille à Nairobi, au Kenya. Donc, je vous invite, Ken, de parler un peu de votre travail et de vos avis autour de la prévention. Merci, Hani. Donc, je m'appelle Ken Ondoro. Je travaille avec l'équipe de la résilience des enfants et je suis vraiment heureux d'être ici aujourd'hui pour participer à cette réunion mondiale. Pour nous, chez notre alliance, la protection est vraiment au cœur de nos interventions. Et nous sommes convaincus que les communautés ont vraiment les capacités et les connaissances et les systèmes pour pouvoir vraiment identifier et répondre aux questions importantes qui affectent leurs enfants. Donc, nous sommes vraiment ravis que nous sommes en train de parler de cette question de la prévention. Pour nous, il s'agit d'une passion. Nous essayons de vraiment partager cela avec le secteur de la protection de l'enfance pour vraiment souligner le fait qu'il est possible de vraiment donner de la confiance aux communautés pour s'adresser aux questions qui affectent les enfants. Donc, avec les capacités de réponse et pour cette prévention de la violence à l'encontre des enfants. Donc, voilà vraiment ce qui est au cœur de notre intervention. Nous essayons de répondre aux questions liées au rôle des communautés dans la protection de l'enfance. Est-ce qu'ils reçoivent tout simplement des projets, des initiatives, ou est-ce qu'ils sont vraiment des partenaires dans le processus pour vraiment faire face aux questions au sein de leur communauté? Donc, une des interventions pilotes que nous avons lancées nous a montré que les communautés ont vraiment les capacités, les connaissances et les outils pour intervenir en ce qui concerne ces questions. Les communautés travaillent avec nous pour être impliquées activement dans la protection des enfants. Il y a certains aspects dans lesquels ils sont vraiment experts. Donc, nous avons beaucoup appris également des communautés. En ce qui concerne les écarts dans la protection de l'enfance, nous avons donc du travail d'identification des possibilités d'intervention pour vraiment renforcer nos systèmes et leurs systèmes. Donc, nous sommes plutôt des facilitateurs pour vraiment encourager les communautés d'aller dans une certaine direction et d'identifier vraiment les questions les plus importantes.
Je suis vraiment ravie d'être ici aujourd'hui. Je suis très content que nous sommes maintenant en train de parler plus de la prévention, hein, au lieu de simplement dire la protection, tu sais. Et je vais partager encore nos expériences au cours de notre travail. Merci donc de cette occasion. Je suis vraiment ravie d'être ici et de faire partie de ce panel. Merci, Ken. Ce serait vraiment intéressant également de vous voir. Donc, je ne sais pas si vous pouvez peut-être trouver de la lumière, si vous avez une possibilité de vous retourner peut-être, parce que la lumière est derrière vous en ce moment. Donc, on ne voit pas vraiment votre visage. Bon, je suis vraiment content de pouvoir modérer, faciliter ce panel intéressant pour partager nos expériences et nos avis. Nous devons également considérer la question de savoir comment impliquer d'autres secteurs, d'autres organisations pour ne pas vraiment rester en silo, hein, et pour essayer de voir les choses d'une manière plus large avec cette question du travail intersectoriel, hein, surtout lorsque nous parlons de la prévention primaire. J'ai une série de questions. Donc, deux questions par panéliste. Je vais poser la première question à tous les panélistes. Donc, je vais vous demander de parler pendant à peu près 90 secondes, si possible, pour vraiment avoir du temps à la fin pour des questions et réponses du public. Donc, Farida, je vais commencer avec vous. Qu'est-ce que vous voyez que les jeunes, la jeunesse, peuvent faire pour vraiment être impliqués activement dans la prévention? Merci, Hani. Donc, nous avons beaucoup de jeunes qui ont vraiment des expériences, des événements traumatisants, et nous devons et nous voulons être impliqués pour transformer la vie de nos proches et de nos communautés. Donc, nous pouvons utiliser nos expériences pour vraiment travailler sur le changement. Et nos expériences, nos vulnérabilités et nos capacités sont vraiment le moteur de notre travail. Donc, il est vraiment important de mobiliser ces efforts politique des jeunes pour augmenter la protection des enfants et la prévention également. Nous soutenons donc les jeunes, surtout les jeunes filles et les jeunes mères dans ce travail, dans les activités de sensibilisation. Nous intervenons également auprès des familles pour vraiment parler des facteurs culturels liés au mariage des enfants. Donc, pour vraiment comprendre et expliquer les besoins des jeunes filles, pour essayer également de permettre aux jeunes mères de continuer à aller à l'école. Donc, il y a toute une question d'acceptation de ces filles. Pour les filles qui ne sont pas à l'école, nous avons des programmes de formation, de renforcement des compétences. Nous aidons ces jeunes filles à avoir de l'espoir et de transformer la situation. Nous avons également des interventions autour de la santé mentale pour fournir vraiment des espaces sûrs et les interventions pour également aider les enfants avec des décisions, donc à faire des bonnes décisions par rapport à leur futur. Nous avons donc tout un projet de soutien pour ces enfants et pour ces jeunes. Merci, Farida. C'est vraiment très intéressant de savoir ce que vous faites à cet égard. Docteur Rekoski, quel est le rôle des systèmes de protection sociale, surtout en ce qui concerne les enfants dans des situations humanitaires et fragiles? Je vois trois éléments importants ici. Premièrement, cette question de prévention. Donc, notre rôle est de promouvoir l'accès aux services. Donc, surtout en ce qui concerne les services de nutrition, de l'éducation et de la santé. Donc, comment promouvoir cet accès
à travers du développement, du bon développement de ces services, donc pour être sûr que ces services existent et qu'ils peuvent être utilisés. Deuxièmement, dans cette catégorie, il y a des incentives, des incentivations pour vraiment encourager les gens à utiliser ces services. Donc, lorsqu'il y a des transferts en espèces, par exemple, est-ce que nous devons vraiment avoir des conditions liées au fait que les enfants vont à l'école, vont avoir, par exemple, des services de santé? Donc, il y a des campagnes de sensibilisation et des interventions liées à la question d'information. Donc, il y a peut-être un mouvement, une transformation des systèmes à cet égard. Mais nous devons absolument considérer cette question. Troisièmement, la question de la pauvreté. Donc, la protection sociale, surtout pour les groupes les plus pauvres et les plus vulnérables. Nous devons absolument commencer par ces populations. Donc, lorsque nous observons des situations où il existe une corrélation entre le nombre d'enfants dans une famille et la pauvreté, nous soutenons, par exemple, des allocations universelles pour ces familles. Et finalement, je dois absolument souligner le défi autour de notre rôle de protection sociale dans un contexte humanitaire. Et la question clé est liée au système d'alerte rapide et également des plateformes de paiement. Donc, comment coordonner le travail des agences humanitaires et des agences ou des fournisseurs de protection sociale? Merci. Merci. Vous avez abordé un point important par rapport à l'accès aux services. Moi, j'ai travaillé au Congo pendant assez longtemps et cette question de l'accessibilité, comparée avec la disponibilité, était vraiment cruciale. Donc, comment rendre ces services disponibles, mais aussi accessible du point de vue des communautaires. Donc, il ne s'agit pas seulement d'avoir ces services. Si pendant 3 mois de l'année, il y a des inondations qui bloquent le chemin pour accéder à ces services, est-ce que ces services sont vraiment disponibles? Voilà. Également, cette question des allocations universelles. Nous pouvons faire un lien avec un des éléments clés de cette réunion, donc la prévention primaire au niveau des communautés. Comment vraiment s'adresser à quelques éléments clés pour prévenir les effets néfastes, surtout au niveau des communautés, hein, donc pour vraiment préparer le terrain. Merci. Je vais maintenant passer la parole à Santi. Santi? Comment est-ce que nous pouvons vraiment garantir que les systèmes nationaux, surtout dans les situations de crise, sont conceptualisés pour vraiment prévenir les effets néfastes et pas seulement répondre ou être réactif? Je vais parler basé sur mes expériences en Indonésie. Je crois vraiment que la chose la plus importante à faire est de se mettre d'accord sur les coûts réels de ces résultats néfastes. Donc, pour moi, une de ces causes est l'exclusion structurelle. Donc, voilà pourquoi les personnes sont, comme moi, sont responsables pour prévenir des preuves, pour permettre au gouvernement d'avoir une vision d'ensemble par rapport aux dégâts qui existent, donc ceux qui sont amplifiés également par des réalités politiques récentes. Donc, pour vraiment fournir ces preuves, nous devons reconnaître les 3 niveaux d'exclusion. Donc, premièrement, l'exclusion parce que les enfants et les individus vulnérables n'ont pas accès aux services primaires, donc l'éducation, la protection sociale, les services de santé, le logement, toutes ces nécessités pour leur vie et leur survie. Et ce niveau est lié à la pauvreté et également l'immobilité.
Le deuxième niveau, si vous imaginez que votre société n'a pas de problème d'accès à cet égard, il y a cette question des contextes nationaux et des différences de qualité, de capacité et de responsabilisation également par rapport à ces services. Donc, il va toujours y avoir des enfants et des individus vulnérables qui ne voient pas leurs besoins vraiment atteints à travers de ces services. Et le troisième niveau, s'il n'y a pas de problème d'accès, si tous les services sont standardisés, sont de la même qualité, il va y avoir des enfants et des individus vulnérables qui subissent de la discrimination à cause de leur identité sociale, donc genre, âge, religion, groupe ethnique, etc. Donc, vous pouvez regarder ces étapes ou ces niveaux et en montant vers la question d'accès, nous pouvons peut-être montrer ou avoir plus de données par rapport aux inégalités basées sur la localisation géographique, mais en descendant vers la discrimination, ces preuves deviennent plutôt anecdotiques. Donc, comment vraiment vendre, si vous voulez, ces données à ceux qui sont décideurs? Voilà. Merci. Cette question de l'exclusion structurelle est vraiment importante. Il est vraiment facile d'ignorer cette question parce que dans le monde humanitaire, nous regardons des choses des fois assez brièvement et il est facile de manquer quelques questions structurelles de base qui peuvent vraiment entraver notre travail. Donc, cette question de qualité que vous avez mentionnée, également lors de mon travail sur cette question d'accessibilité, comparé avec la disponibilité, les communautés parlaient de ce qu'ils considéraient comme de la qualité et cela était vraiment très différent comparé avec nos idées autour de cette question de qualité. Donc, nous pouvons penser que nous avons créé quelque chose d'haute qualité, mais les populations peuvent ou risquent de ne pas considérer ces services de la même manière. Ken, j'aimerais vous demander de nous parler de cette question des initiatives menées par les communautés. Comment est-ce que vous pouvez décrire le rôle des communautés pour identifier et pour vraiment faire face aux causes de base de ces dégâts et de ces effets néfastes? Merci également pour la lumière. On vous voit beaucoup mieux maintenant. Je suis sur le terrain, donc je suis désolée si ma connexion n'est pas très bonne. Je ne suis pas à Nairobi en ce moment. Merci de cette question. Donc, pour moi, dans mon travail au centre de ces approches menées par des communautés, les expériences que nous avons dans le secteur humanitaire nous ont montré qu'il y a une considération négative des communautés comme elles sont vraiment au centre des problèmes. Donc, nous devons vraiment faire un pas en arrière et voir le côté positif et la valeur des communautés. Pour moi, les communautés peuvent jouer un rôle vraiment critique pour vraiment être impliqué dans ces interventions. Peut-être ces interventions vont être facilitées par des fournisseurs externes, mais les communautés peuvent quand même jouer un rôle critique. Donc, les communautés peuvent vraiment avoir un rôle leader dans les initiatives de prévention. Avec ce processus vraiment mené par les communautés. Ils ont les capacités, ils ont les connaissances, ils savent exactement comment ces interventions doivent être organisées.
Ils sont également gardiens des systèmes de protection qui existent déjà dans les communautés. Donc, ils savent comment vraiment les renforcer. Avec du soutien externe, peut-être. Voilà. Mais en tant que leader. Merci encore une fois. Merci de nous avoir rejoints malgré les difficultés. Je suis vraiment très heureux de voir que vous avez mentionné justement cette terminologie vraiment très importante de la facilitation. Parce que je pense que c'est vraiment un élément clé, parce que nous avons de l'engagement des communautés traditionnelles qui n'ont pas forcément un rôle de facilitateur, mais plutôt comme un rôle d'acteur humanitaire qui arrive avec du pouvoir, avec de l'argent et qui essaie de dicter d'une certaine manière les choses qui doivent se passer. Et alors que plutôt que de chercher des vraies solutions avec les communautés, nous allons désormais passer à Stella. Stella, que pensez-vous qui devrait se passer en termes de plaidoyer pour mettre justement la prévention au top, au sommet de l'ordre du jour et des priorités des différents États, et en vous basant sur votre expérience que vous avez connue en ayant en Afrique, et vous pouvez vous parler de cela, bien sûr, du contexte de l'Afrique, ou de manière plus contexte, plus mondiale. Merci beaucoup, Hani, et merci à tous. Je vais élaborer davantage sur ce qui vient d'être dit par mes collègues, mais commençons d'un point de vue de la responsabilité de protéger qui échoit aux États. Et nous devons vraiment comprendre que les protections des enfants et les droits des enfants contre toutes formes de violence, eh bien, nous devons savoir que les États doivent mettre en pratique et assurer la bonne réalisation de ces droits. Et donc, c'est une tendance de certains États, et c'est vraiment de s'éloigner un petit peu de l'humanitaire et de laisser cela au travail du secteur humanitaire. Et nous, en tant que partie prenante, et de rendre redevables tous les différents États, et dit que c'est une action primaire, que c'est la première ligne de défense, la première ligne d'action, et que les États ont un devoir, justement, de répondre à cette urgence et, bien sûr, de faire en sorte que nous devons, bien sûr, avoir ce rôle de plaidoyer et, en particulier, doit avoir cette prévention de la violence, et nous devons vraiment tenir compte du contexte et, bien sûr, vraiment de définir le problème. Et nous devons parler davantage encore du problème, et dans ce cas-là, l'État va être en mesure d'agir, et cela doit être soutenu par des preuves. Nous devons vraiment amener des changements, nous devons vraiment des preuves et d'utiliser des preuves qui viennent des communautés, par exemple, qui viennent des communautés locales. Nous devons savoir par un document avec la liste de ce qui marche et de ce que fait l'État, ce que font les communautés également, et pour justement pour tenir compte de l'expérience de ces enfants. Et cela va permettre justement à l'État justement de prioriser un petit peu le sujet. Et une fois que nous avons identifié le problème et que nous avons généré les preuves, le niveau suivant, c'est vraiment d'utiliser ces preuves pour faire avancer la conversation vers une mise en pratique, une action. Et cela bien sûr, implique bien sûr parler de l'investissement dans ce secteur. Mais cela doit venir de méthodes de travail qui ont été éprouvées sur le terrain, y compris avec les communautés, avec les ressources que nous avons, quels sont les mouvements que nous pouvons montrer pour justement démontrer ce qui fonctionne avec des mesures, des pratiques qui faire en sorte que cette action va agir, va se réaliser. Et mon dernier point, sur le point sur la prévention de la violence et la prévention de violence dans la dimension humanitaire, soit une réalité, pas justement par avoir une approche mondiale, une approche globale. Nous n'encourageons pas forcément les États à lancer des nouveaux modèles, et je pense qu'il y a des plans d'action humanitaire. Et le problème, c'est que la majorité des entités qui sont en charge de ce point ne parlent pas ensemble. Et nous devons mettre cela dans le contexte général des violences, et nous devons parler avec les États de faire en sorte que cela
il puisse prendre la forme d'un système de mise en pratique et faire en sorte que les ressources et les financements puissent être priorisés et alloués. Je pense que notre rôle de plaidoyer vise justement à l'augmentation du financement et de faire en sorte que tous les États soient responsables, tenus responsables au nom des enfants. Et il s'agit vraiment de mettre concrètement des preuves que nous devons avoir la mise en pratique des systèmes que nous avons faits et que nous attaquons à la violence, créer un système de prévention contre la violence intégré totalement dans l'action qui sont la nôtre. Merci. Merci beaucoup, Stella. Il y avait de nombreuses choses et je vais simplement parler de ce concept de preuve et du point de preuve. Il est important d'avoir des preuves fortes, de pouvoir soutenir notre plaidoyer, et en particulier parce que, en général, dans la prévention des violences contre les enfants, nous devons avoir des preuves qui peuvent être utilisées pour notre plaidoyer, mais également pour la prévention, de par sa nature, est vraiment beaucoup plus difficile de preuves, parce que nous avons bien sûr la protection, et la prévention doit être un des éléments qui doit soutenir justement notre protection, et qui doit être vraiment être mis en avant si on veut garder cela en haut de la liste des priorités. Et nous allons passer à un deuxième cycle de questions qui va aller peut-être plus vite. Je pense que j'aimerais que, en tout cas, que la majorité des personnes, des intervenants, restent à moins d'une minute pour vos réponses, même si nous avons des réponses absolument fantastiques de votre part, afin que nous puissions passer la séance de questions-réponses. Nous revenons à Farida. Donc la question, c'est que peuvent faire les acteurs du secteur humanitaire, peuvent faire pour soutenir le travail des pères, justement, pour prévenir les violences contre les jeunes enfants. Merci beaucoup, Hani. Je pense qu'il devrait écouter les jeunes qui travaillent pour la protection des enfants et qui travaillent avec nous. Il est désormais temps de voir les jeunes comme des agents du changement et de reconnaître leur leadership, de leur potentiel et leur expertise unique qu'ils amènent grâce à leur expérience. Les connexions peuvent vraiment faire des merveilles. Je pense vraiment que les solutions basées sur les communautés et bien sûr avec le travail des ONG, mais ils peuvent pas forcément être dans les communautés, même dans les week-ends et en soirée, mais les jeunes peuvent l'y être et ils peuvent vraiment amener le soutien et la protection nécessaire aux enfants. Il est important de se connecter, d'être connecté et de faire en sorte et de bien comprendre que les jeunes font un travail de réseautage dans les communautés et bien sûr le réseau, par exemple des leaders des jeunes réfugiés qui ont justement travaillé dans le GREEN, qui est le réseau international des jeunes réfugiés, qui travaille justement pour donner du pouvoir aux personnes qui ont été marginalisées, qui sont sans pouvoir, aux garçons et filles, qui puissent vivre en dignité et avoir toutes les opportunités nécessaires. Vraiment être des partenaires potentiels pour soutenir tout le monde, nous soutenir, soutenir les jeunes et les enfants qui ont besoin au niveau de la communauté. Merci beaucoup. Docteur Rutkowski, comment les acteurs de la protection sociale et la protection du système humanitaire peuvent vraiment travailler de système systématique pour empêcher justement les violences faites contre les enfants, et quelles pourraient être les chances et les défis qu'elles nous faisons face actuellement. Et bien sûr, nous devons bien sûr renforcer la collaboration entre les personnes, les entités de l'assurance sociale et du droit humanitaire. Les crises qui ont été déchaînées récemment et qui ont amené un manque d'accès à l'éducation et à cause également tous les problèmes qui ont été générés par la pandémie et tous les problèmes qui sont liés à au mariage des jeunes, des enfants et tous ces problèmes. Et nous avons le système du cash plus quai qui permet justement d'avoir des opportunités de transfert de fonds justement pour les différentes agences de protection de l'enfance et
On met quelquefois les financements qui sont mis ensemble justement pour pouvoir agir de manière plus efficace et aider les personnes les plus vulnérables. Et nous avons également des preuves qui découlent d'évaluations concrètes, sérieuses, pour démontrer justement les problèmes d'accès à l'éducation et au système de santé. Et un autre point que je voulais vous dire, et peut-être le plus important, c'est que nous voyons que lorsque le système de transfert d'argent liquide peut vraiment avoir un impact très important. Nous avons eu également récemment mené des évaluations au Colombie, au Madagascar, au Mexico et au Pérou. Ces évaluations ont montré qu'une aide aux parents par un transfert d'argent a vraiment eu un impact réel sur le développement. Et le développement des enfants a été basé sur différentes échelles et sur les capacités émotionnelles. Et pour moi, c'est un des exemples de protection et des acteurs du développement, de la protection des enfants, des acteurs de l'assurance sociale qui peuvent travailler ensemble pour faire avancer les choses. Eh bien, ce serait fantastique si vous pouviez partager certains de ces résultats. Et j'ai une des données des études de 2018 et de 2020. Je vais vous envoyer les liens, justement, pour que vous puissiez le partager, justement, avec les participants. Santi, vous avez la parole. Et vous avez parlé de transformer les preuves en faire des politiques. Et que pensez-vous que seraient les fossés ou les écarts en termes de preuves qui pourraient justement nous aider justement à soutenir les politiques de prévention et de sensibilisation? Et je pense que c'est très important la manière dont vous avez parlé, que la protection de l'enfance est souvent un secteur qui est lié avec le manque de données. Et je pense qu'en fait, le problème n'est pas l'absence de données, mais c'est qu'en fait les données deviennent de plus en plus disponibles, mais le problème c'est l'exhaustivité des données. Si vous voulez faire la promotion d'un programme de prévention, et nous devons être en mesure de fournir des preuves sur ce point, par exemple, quelle est la population qui est à risque sur ce point, et cela devient un problème de savoir si les données sont suffisamment complètes, exhaustives. Nous pouvons avoir un sondage auprès des enfants, et par exemple, mais nous sommes en tout cas très heureux de savoir que nous avons des méthodes justement pour évaluer la prévalence de la violence contre les enfants, mais néanmoins, cela nécessite encore des données supplémentaires pour regarder les enfants qui ne vivent pas forcément dans des foyers de type traditionnel. Et ces sondages devraient être également mis en place pour justement être en mesure de rentrer en contact avec ces foyers ou qui, par exemple, des enfants qui vivent dans des orphelinats, dans des centres de détention. Et donc, nous avons besoin d'avoir davantage de données cliniques sur les mêmes personnes sur le long terme, et nous serons en mesure d'avoir une visibilité de l'impact d'une intervention, par exemple, mais cela nous permettra également de voir comment les enfants qui ont fait l'expérience de l'adversité peuvent émerger, ils peuvent en sortir, et cela montre vraiment la résilience. Et c'est vraiment très important lorsque nous parlons du concept de prévention. Merci beaucoup. Et je suis tout à fait d'accord que un des problèmes que nous avons, c'est l'exhaustivité de ces données, et de prendre ces données, de les traduire de manière cohérente et dans des politiques qui peuvent être utilisables. Et avant que nous passions à Stella, je souhaite vraiment encourager tous les participants à commencer à laisser vos questions dans la boîte de chat. Et ces questions vont m'être envoyées par un autre appareil afin que je puisse justement continuer à poser ces questions et voir comment je peux poser les questions aux panélistes. Et vous avez le chat qui est une petite icône qui apparaît en bas à gauche de votre écran. Vous avez un petit écran qui va apparaître sur la gauche et vous pouvez poser votre question
un panéliste en particulier où vous pouvez poser une question générale et nos intervenants y répondront. Stella, nous revenons vers vous. Comment voyez-vous les efforts justement pour prévenir la violence contre les enfants dans le secteur humanitaire et comment cela s'intègre-t-il dans un effort plus général de justice sociale? Merci beaucoup. Eh bien, un des éléments, c'est que ces efforts de justice sociale, disons que cette pratique du droit humanitaire est vraiment un élément de ce besoin de justice sociale, mais malgré les différents contextes, on tente à faire une différence entre les deux. Mais ce droit humanitaire, ce système humanitaire est vraiment une partie intégrante de l'effort de justice sociale. Et pour ce qui en est, cela nécessite de faire en sorte que les différentes parties prenantes aient une coordination entre les dimensions, les équipes en charge de l'éducation, de la santé, les organisations des Nations Unies, les organisations internationales, de la société civile, entre autres. Et je vais peut-être qu'il y a d'autres. Une autre question que j'ai vue au chat, que je vais peut-être relier les deux questions, et cela est en lien avec peut-être le rôle de la prévention, le rôle de l'action qui ne peut pas être vraiment mise en pratique par une seule entité. Nous devons avoir besoin d'autres parties prenantes, et donc c'est vraiment un point essentiel. Et le deuxième point va au-delà de cette coordination multisectorielle. Il s'agit également de s'assurer d'avoir les compétences nécessaires et les capacités nécessaires pour répondre et agir ensemble. Il s'agit vraiment de construire des compétences de différentes parties prenantes dans le secteur humanitaire, dans le système général de développement mondial, pour savoir comment répondre à une question et à une situation spécifique, et en particulier au ce problème de la violence contre les enfants. Je vais prendre simplement un exemple. Si vous avez un système de santé international pour les enfants, au niveau national, il s'agit aux différents contextes différents, on reçoit des appels 24 heures sur 24 pour des personnes dans le besoin, mais lorsque nous avons une situation à laquelle fait face un État, comme la pandémie par exemple, et nous nous retrouvons dans une situation où le système de santé au niveau national a besoin davantage de compétences, donc il est important de reconstruire, d'élaborer des compétences afin qu'ils puissent répondre en temps et en heure à une urgence. Et bien sûr, il s'agit vraiment d'avoir la robustesse des plans de réponse et d'avoir des systèmes d'alerte précoce. Et ça ne touche pas simplement les personnes du secteur humanitaire, et cela devient un système en charge pour tout le monde. Merci beaucoup, Stella. Et je vais maintenant passer la parole à Ken. Ken, j'espère que vous pouvez nous entendre. Comment pouvons-nous, en tant qu'une communauté internationale, apporter un meilleur soutien dans des communautés dans le rôle de prévention et de protection des enfants? Eh bien, merci beaucoup, Annie. Je pense qu'en tant que communauté internationale, la seule manière pour nous de soutenir les communautés afin qu'ils protègent mieux leurs enfants, c'est de renforcer et de soutenir et de renforcer les systèmes de protection des enfants préexistants dans la communauté. Trop souvent, nous arrivons avec notre propre programme préconçu, avec nos systèmes de protection basés sur les communautés, mais au bout du compte, ce que nous faisons, c'est mettre en place un système parallèle à ceux qui existent déjà dans la communauté, qui a tendance à engendrer de la confusion au sein des communautés. Et nous ne prenons pas le temps nécessaire pour essayer de comprendre ces communautés en termes de comment elles existent et comment les systèmes de protection des enfants préexistants peuvent être liés, renforcés ou mieux soutenus pour protéger les enfants. Car il y a des systèmes dans les communautés
qui sont une partie intégrante des communautés. Donc il y a cette question de réalisation de programmes, de durabilité de l'action. Et personnellement, j'ai interagi avec différents responsables d'intervention qui se considèrent comme basés sur les communautés, mais au bout du compte, nous voyons qu'ils arrivent avec des directives qui doivent être suivies par les communautés, et cela crée un système parallèle. Et une fois que l'on ressort de la communauté, nous exerçons une forme de pouvoir sur ces communautés. Et donc, c'est vraiment un des problèmes dans le droit humanitaire. Et cette question de rédaction, de conception du programme et de responsabilisation et de durabilité n'est pas tenable. Et nous devons vraiment travailler d'arrache-pied pour faire en sorte de soutenir les systèmes basés sur les communautés et également fournir des preuves de ce que nous faisons afin que nous puissions le partager avec tous les secteurs, les bailleurs de fonds et les différentes parties prenantes, de faire en sorte que nous devons vraiment soutenir et renforcer les systèmes de protection de l'enfance au niveau communautaire et vraiment un système de protection très efficace et n'a pas forcément besoin d'être quelque chose que nous avons prescrit nous-mêmes, mais nous devons en tout cas avoir un système vraiment pour protéger les enfants au niveau communautaire. Merci Ken. Merci à tous pour ces réflexions vraiment profondes sur ces questions. Je pense que nous allons peut-être terminer cette session avec plus de questions que de réponses, mais il est quand même très utile de pouvoir discuter de nos expériences. Je vois qu'il y a plusieurs questions qui sont arrivés. Une question d'un collègue au Congo, Faïda. Donc, c'est pour Faïda. Cette collègue vous encourage et vous demande comment vous faites le lien avec d'autres collègues qui travaillent sur cette question de protection hors de votre pays. Donc, pour vraiment continuer ce travail et à faire des liens. Merci, Anne. Merci de cette question. Je pense qu'ici, je suis ici à Stockholm maintenant. Ça fait 6 mois que je suis là. Et nous avons ici en Europe des réseaux. Donc, j'ai un réseau mondial de jeunesse, donc c'est surtout pour les jeunes réfugiés. Et donc, je suis coordinatrice sur la question de la diversité, d'ailleurs. Et nous travaillons ensemble pour vraiment essayer d'apporter des différentes voix, surtout au niveau local, donc en Europe, et dans les différents pays, je vois qu'il y a des questions de protection, donc la protection de l'enfance, mais je pense qu'il n'y a peut-être pas vraiment de la considération des réfugiés ou des zones de conflit. Donc, nous essayons vraiment de soutenir les jeunes qui viennent d'arriver en Europe, des différentes communautés. Nous essayons vraiment de travailler sur cette question de la donner de l'espoir. Donc, comment vraiment travailler avec ces jeunes pour montrer qu'ils ont vraiment des capacités. Et donc, nous devons vraiment voir comment renforcer encore plus ces capacités et comment protéger également les communautés. Donc, nous travaillons avec des collègues congolais et même pas congolais, des différentes personnes intéressées à cette question de vraiment considérer les atouts, les compétences des jeunes réfugiés. Donc, comment vraiment tirer la bonne partie de ces expériences et de ces capacités dans les communautés, pas seulement les communautés de réfugiés, mais des autres communautés locales. Donc, l'idée de vraiment donner un sentiment d'appartenance à ces jeunes.
dans les pays d'accueil. Donc, nous travaillons beaucoup avec ces jeunes et nous avons des domaines spécifiques d'action. Il ne s'agit pas seulement des réfugiés congolais, mais tous les réfugiés. Donc, nous avons des partenariats avec ce qu'on appelle Vision Group. Donc, c'est un groupe de soutien pour les jeunes qui considèrent cette question de protection de l'enfance dans les communités. Merci. Merci, Farida. J'encourage des collègues à poster des questions dans le chat, même si nous n'avons pas le temps de répondre à toutes les questions maintenant. Nous allons continuer ces discussions dans le chat. J'ai une question maintenant pour Stella. J'aimerais savoir ce que vous pensez par rapport à l'équilibre, l'équilibration des priorités de programmation, donc les nécessités de prévention avec des ressources et des budgets qui manquent. Donc, comment vraiment faire cet équilibre? Merci. Donc, je vais peut-être revenir à l'analogie que j'ai utilisée un peu avant. Donc, nous nous focalisons beaucoup sur les forêts hein, dans les contextes humanitaires et nous nous perdons dans tous les arbres du forêt. Donc, il est vraiment important de répondre avec les services qui sont vraiment nécessaires au moment donné. Mais nous devons également considérer les nécessités de prévention. Donc, cette question des ressources est vraiment importante et cette question est liée au potentiel des différentes parties prenantes dans ces aspects multisectoriels. Il y a plus de 20 ans, j'ai travaillé vraiment sur le terrain dans le secteur humanitaire et j'avais vraiment un focus sur le fait de vraiment fournir ces ressources, ces nécessités aux populations. Cette question des limites autour des ressources doit être vraiment ciblée en renforçant les liens avec d'autres acteurs dans des différents secteurs pour vraiment essayer d'utiliser le potentiel de chacun pour transformer la situation. Donc, comment travailler dans une manière collaborative, comment identifier les différents acteurs impliqués, comment encourager les donateurs, par exemple, de vraiment soutenir cet engagement. Donc, pas seulement un investissement dans ce domaine, mais comment vraiment travailler sur cette question de prévention hein, avec l'agenda multisectoriel. Merci, Stella. Cet élément multisectoriel est vraiment crucial et je pense que nous le manquons hein, dans le sens que cela peut être vraiment pas avoir un effet de multiplication. Donc, cette collaboration avec d'autres secteurs dans le travail de prévention affecte après votre travail sur les réponses hein, dans une manière positive. Donc, il ne s'agit pas d'investir, bon, par exemple, pour la protection sociale, d'investir dans la protection de l'enfance, mais l'idée de vraiment bénéficier en atteignant les objectifs de prévention sociale, mais également de protection sociale. Une autre question pour Ken. Ken, est-ce que vous avez observé une déconnexion ou conflit entre des politiques autour des droits de l'enfant et des institutions informelles communautaires? Donc, par exemple, liées aux pratiques culturelles, religieuses. Merci, c'est une question vraiment très intéressante et quelque chose que j'ai vraiment examiné et observé plusieurs fois hein, dans mes contextes de travail. Premièrement, je vais parler d'une perspective des droits de l'enfant. Nous trouvons que les membres des communautés comprennent bien
cette question de droit de l'enfant différemment. Donc, il regarde cette question des droits de l'enfant comme un outil pour essayer d'enlever ou d'empêcher le contrôle parental. Donc, les membres des communautés sont contre ces interventions lorsque nous parlons des droits de l'enfant. En Afrique, nous disons que les enfants deviennent plus indisciplinés ou nous avons beaucoup d'exemples des parents qui disent, bon, lorsque mon enfant a fait une bêtise et j'ai dû discipliner mon enfant crier que je n'avais pas ce droit, la police me menaçait d'être arrêtée, etc. Donc, il y a une perception vraiment négative autour de cette question des droits de l'enfant. Le deuxième point est lié aux politiques sur les mères-enfants. Donc, il y a des politiques autour des grossesses pour les filles qui sont à l'école. Au Kenya, les membres des communautés pensent que les filles, les jeunes filles, mères, exploitent ces politiques. Donc, par exemple, les filles tombent enceintes pour retourner à l'école. Il y a cette perception. Donc, cette perception d'exploitation de ces politiques. Donc, comment vraiment travailler sur ces conflits, cette tension entre les lois et les politiques et les perceptions des communautés. Donc, il ne s'agit pas seulement d'une question du cadre juridique ou politique, mais également les interventions hein, de la part de certaines parties prenantes. Il y a une déconnexion, là, un conflit que j'ai vraiment observé. Merci. Merci, Ken. C'est un exemple très intéressant hein, par rapport à cette question. J'ai vu cela également lors de mon travail dans d'autres pays en Afrique. L'idée de vraiment fournir un outil, mais l'outil n'est pas utilisé correctement. Et donc, cela crée un mécontentement autour de l'outil, même si l'outil n'a rien de mal en soi. J'ai une autre question pour Stella. Et bien sûr, les autres panélistes peuvent commenter également. Jason vous demande, qu'est-ce que vous faites dans une région comme le Moyen-Orient ou l'Afrique du Nord, où il y a plusieurs États qui sont vraiment des sources de violence contre les enfants? Est-ce que nous devons repenser les analyses au niveau régional? Il suggère qu'il y a beaucoup de preuves par rapport à la culpabilité. Stella, je vous passe la parole. Et si d'autres panélistes veulent également réagir. Oui, je ne suis pas vraiment d'accord sur cette question. Mais je comprends bien qu'il y a des complexités dans les différentes régions. Nous devons absolument être conscients du fait que les violences dans les différentes régions ont des effets vraiment différents également, surtout si nous pensons au Moyen-Orient. Je pense que nous voyons peut-être plus de radicalisation hein, parmi les jeunes. Je n'aimerais pas dire que nous ne pouvons pas prévenir cet effet. Je pense que cela est possible, mais nous devons absolument considérer comment engager toutes les parties prenantes, surtout les factions qui sont en conflit et des organisations qui s'engagent avec ces factions. Ce serait nécessaire peut-être d'intégrer également des acteurs de développement hein, dans des zones de conflit. Je vais vous partager un exemple lié à mon expérience en Ouganda du Nord. Donc, après plus de 15 ans de conflit, nous avions plutôt des conversations par rapport aux réponses d'urgence. Donc, comment vraiment réagir
avec des mouvements, avec la société civile, nous avons commencé à vraiment considérer des causes de base. Donc, pourquoi est-ce qu'il y avait ces conflits, ces violences? Je pense que nous avions besoin donc de changer un peu de perspective pour ne pas seulement réagir, mais penser aux causes de base. Est-ce que je peux juste ajouter quelque chose? Je pense que cette question est vraiment importante, pas seulement pour le contexte du Moyen-Orient, mais également pour les systèmes de protection sociale, parce que ces systèmes doivent absolument être adaptables. Si nous pouvons former des systèmes résilients qui s'adaptent vraiment au contexte, je pense que nous pouvons vraiment gérer des opportunités. Et lors d'une situation humanitaire, situation de crise, il est vraiment important d'avoir cette question d'adaptation pour activer immédiatement ces systèmes pour cibler ceux qui ont le plus besoin. Donc, cette question d'adaptabilité est vraiment importante pour nous. Comment travailler avec nos partenaires humanitaires en utilisant ces systèmes de gouvernance? Nous avons quelques bons exemples, comme au Niger, donc avec du soutien, des programmes de soutien pour les plus vulnérables affectés par des crises dans des régions libyennes et nigériennes voisines. Nous avons également un autre point à souligner par rapport au fait que pendant les époques de conflit, l'intervention humanitaire est cruciale, mais la protection du capital humain est importante également lors de la reconstruction des pays. Donc, au Moyen-Orient, on pourrait avoir maintenant le temps pour investir dans une protection sociale adaptative. Nous avons un projet au Bangladesh avec un projet de réponse aux crises avec les systèmes du gouvernement de Bangladesh pour améliorer les systèmes sociaux avec l'accent mis sur la question de résilience. Et nous avons la même chose en Centrafrique. Donc, comment vraiment travailler avec d'autres acteurs, surtout les acteurs humanitaires, pour renforcer ces points, pour pouvoir vraiment opérer dans des situations de conflit, des situations fragiles. Merci, Dr. Rokoski. J'aimerais juste essayer de poser une dernière question à Santi. Donc, c'est lié à votre premier défi que vous avez exprimé. Lorsque nous parlons de la prévention, cela peut être fait sur différents niveaux, donc au niveau de base, niveau communautaire, pour vraiment s'adresser aux choses simples, comme l'accès à l'éducation. Puis, on a un niveau de normes sociales, des questions structurelles qui pourraient être utilisées ou liées à quelques politiques gouvernementales. Puis, il y a la question des interventions au niveau local ou national, des organisations multilatérales, par exemple. Il y a des questions d'intervention au Yémen, par exemple, ou en Afghanistan. Nous voyons que tous ces niveaux ont besoin des actions de prévention. Comment les connecter vraiment? Quel est le rôle des communautés de protection pour faire face à ces problèmes? Je pense que si j'avais la réponse à ce point, je deviendrais vraisemblablement présidente du monde entier. Je vais simplement faire quelques petits commentaires, simplement pour essayer de rebondir sur cette question. Avant tout, je pense que pour le travail de prévention est vraiment difficile, car comme Stella l'a dit, et d'autres participants ont également mentionné, les ressources sont toujours extrêmement limitées.
Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de preuves qui doivent être données aux États, parce que, quelle que soit la personne en charge, parce qu'ils doivent prendre des décisions et ils doivent être en mesure de vouloir le faire et de comprendre la valeur, l'intérêt qu'il y a à la prévention. Et il arrive quelquefois que certaines personnes, basées sur mon expérience, tentent de faire certains raccourcis parce qu'ils ont certaines obligations de montrer ce qu'ils font. Par exemple, comme cela a été mentionné par notre ami de la Banque mondiale, et les épreuves nous ont montré qu'il y a du travail et le transfert d'argent travaille bien, mais tout cela doit être contenu par certains... de formulation du travail. Et bien sûr, cela a été mentionné. On a également parlé de soutien aux parents, mais malheureusement, ce n'est pas souvent de soutien des parents. C'est plutôt tendre la faute aux parents en disant que si quelque chose ne va pas, c'est que si vous ne comprenez pas ce que c'est que la discipline positive, et bien vous êtes des mauvais parents. Et je pense qu'il s'agit vraiment d'avoir un soutien plus large et vraiment de demander à l'État d'investir davantage dans le travail social, dans les travailleurs sociaux, de faire en sorte qu'ils soient disponibles et que les systèmes de réponse aux affaires et aux cas différents soient en fonctionnent et des responsabilités nécessaires justement pour mener à bien. Et malheureusement, certaines personnes tentent à faire certains raccourcis et ne veulent pas forcément investir davantage dans des programmes plus complexes et plus sur le long terme. Et les preuves nous ont montré qu'il faut investir dans quelque chose, et cela traduit par quelque chose qui est quelquefois extrêmement superficiel. Et par exemple, nous avons en Indonésie un système de conditionnel de transfert d'argent avec... et nous avons par exemple du transfert de fonds qui est lié justement à l'apprentissage pour contrer justement le mariage des jeunes enfants. Et je pense que le deuxième composant que nous avons tendance à oublier en tant que communauté, c'est... les systèmes des agences et comment les enfants s'inscrivent dans ce processus et comment nous pouvons leur donner leur propre voix et leur donner part au dialogue pour qu'ils puissent participer et au niveau de la communauté jusqu'au niveau de l'État. Et le deuxième point que je souhaiterais soulever, c'est que pendant cette réunion, Honey, les collègues peuvent parler de ce que j'ai dit au début de la réunion avec mes pensées sur la prévention, et peut-être que je pense à haute voix, mais si nous voyons cela, que cette prévention travaille dans des cadres bien définis avec des axes abscisses ordonnés, avec la crise qui peut être locale, et les ordonnées sont les conséquences, et comment prévenir l'émergence d'une crise, eh bien, vous pouvez voir, et je pense que ça va être une discussion extrêmement intéressante, je pense que vous devez comprendre que dans ces coordonnées, abscisses et ordonnées, nous avons des intérêts au niveau national, au niveau international, et des investissements qui en découlent. Et je pense que nous pouvons tout simplement voir dans le quatrième cadran, le quatrième quart, nous voyons que la crise climatique est mondiale et la prévention vise à prévenir que ça se passe et qu'il faut des investissements au niveau mondial. Et pas simplement à limiter justement les conséquences du changement climatique, c'est quelque chose qui est mondial et c'est quelque chose qui est inhérent à tous les pays. Et bien sûr, avec des pays qui ont davantage de ressources, peuvent justement freiner davantage les conséquences néfastes du changement climatique. Bien, merci beaucoup, Santi. J'ai vraiment bien compris le petit schéma que vous avez expliqué. J'ai dû le dessiner sur mon papier pour comprendre ce que vous vouliez dire, mais j'ai bien compris. Je vais simplement clore et je vois que Stella et Kend, vous allez avoir 15 secondes pour justement partager vos dernières pensées avec nous avant que nous clôturions cette séance. Merci. Très rapidement, ma pensée finale
et vraiment en lien avec ce que Santi vient de dire, c'est qu'il s'agit vraiment d'améliorer, de mettre à l'échelle et de ajuster nos solutions basées sur la preuve. Et nous devons avoir des solutions que nous allons pouvoir mettre à l'échelle justement pour soutenir l'intervention et la prévention dans toutes les compétences que vous avez mentionnées. Merci beaucoup. Et le dernier mot pour Ken. Merci beaucoup. Je voulais simplement mentionner très brièvement que dans mon expérience, quelquefois une approche protective n'est pas forcément une ressource en soi, mais je pense que le système dans son ensemble est conçu d'une manière qui fait qu'il est beaucoup plus responsif. Désolé malheureusement, parce que pour ce qui en est de la protection, cela demande de la patience et une vue sur le long terme, mais je pense que l'ensemble du système se concentre sur le court terme et peine justement à contrer les questions, répondre aux questions sur le long terme. Merci beaucoup. Je souhaite remercier tous les panélistes et en tout particulièrement et toutes les personnes qui nous ont rejoints très tôt le matin ou très tard dans la nuit, de nous avoir rejoints et d'avoir partagé les différents commentaires. Il y a vraiment des discussions extrêmement intéressantes qui ont lieu dans le chat et j'encourage tout le monde à poursuivre notre discussion fructueuse.